Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, tous les 15 jours, on parle photo, on parle culture photo et surtout, on parle métier de photographe. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de lancer une nouvelle série. En vrai, je ne savais pas vraiment comment appeler cette série. Je me suis dit, avec Paul, on va l'appeler Behind the Shot. C'est mieux que derrière l'image, vous en conviendrez. Ça sonne toujours mieux en anglais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et on y va. Le concept, c'est très simple. C'est que dans cette série, je vais vous présenter des photos connues ou pas, moins populaire ou pas, peu importe, l'idée c'est que c'est des photos que j'ai prises par le passé. Je vais les analyser ensemble avec vous, je vais vous montrer les exifs, je vais vous raconter le contexte autour de cette photo, pourquoi j'ai pris cette photo et comment je suis arrivé à prendre cette photo, avec toute l'histoire qui va derrière, bien sûr. On commence directement, c'est parti avec la première photo. Et donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de choisir trois photos d'une thématique qui est en fait très simple, c'est la thématique de Wanaka, Wanaka en Nouvelle-Zélande, Wanaka qui est un endroit que je chéris tout particulièrement, j'y ai vécu 7 mois et c'est vraiment là que je suis tombé amoureux de la photo outdoor. Et pourquoi j'avais envie de vous partager des photos aujourd'hui prise à Wanaka, c'est parce que c'est vraiment là que ma carrière de photographe s'est vraiment réellement lancée. Bref, la première photo que je veux vous montrer, c'est celle-ci. Cette photo, elle est ultra emblématique, c'est une de mes photos les plus connues. J'imagine que y a une raison derrière ça, c'est que déjà esthétiquement, elle est très réussie, alors tout le mérite ne me revient pas forcément. Wanaka est un endroit absolument merveilleux, c'est difficile de prendre des mauvaises photos à Wanaka, il suffit d'être au sommet d'une montagne, on a le lac, on a les montagnes avec un peu de neige dessus, enfin bref, cet endroit est juste idyllique, d'ailleurs je rêve d'y retourner. Et alors comment cette photo s'est passée? Cette photo, elle est parfaite esthétiquement, en tout cas à mes yeux, mais pourquoi est-ce qu'elle est si parfaite? C'est parce que c'était une photo réalisée dans le cadre d'un shooting bien encadré. Je vous explique le contexte. Je vivais à Wanaka, je travaillais en collaboration avec l'office du tourisme là-bas. Et pour booster la région, pour faire un peu plus de promotion pour la région, on décide d'organiser un Instameet. Alors aujourd'hui, il n'y a plus trop d'Instameet qui sont organisés, mais l'idée c'était quoi? C'est d'inviter des Instagrammeurs et des influenceurs du monde entier pour les inviter à découvrir la région, en l'occurrence Wanaka, et leur demander de poster du contenu sur leurs réseaux sociaux. Et l'idée aussi, c'est que tous les abonnés, tous les utilisateurs d'Instagram qui étaient dans la région pourraient venir parler, découvrir, rencontrer leurs Instagrammeurs préférés et échanger. Donc le concept était d'un Instameet. Bref, on arrive à ce fameux Instameet pour lequel on a invité le photographe que vous connaissez très certainement, Chris Burkhard, très grand photographe américain spécialisé dans l'outdoor et l'aventure. Et en gros, on l'invite à Wanaka, il vient avec son équipe de deux assistants. Lui avait également prévu de shooter pour différents clients et je vais vous en parler juste après. Et dans ce cadre là, ben forcément, il a envie de shooter les endroits les plus emblématiques de Wanaka, à savoir le fameux Rose Peak, cette montagne qu'on voit ici, qui offre certainement la plus belle vue au-dessus du lac de Wanaka. Chris m'a fait l'énorme honneur d'être son guide à Wanaka, vu que j'y vivais déjà depuis 4 mois et je connaissais la région par cœur. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va repérer, la veille de prendre cette photo-là, on monte à pied, on va repérer les environnements de Rose Peak pour que Chris puisse voir vraiment la vue que Rose Peak offre depuis son sommet. Et on décide d'aller organiser un shoot qui va durer du coucher de soleil jusqu'au lever de soleil. Donc forcément, ça induit le fait qu'on va devoir camper au sommet. Bon, il faut savoir qu'on était 4 photographes, on avait un paquet de matériel à prendre, et vu que Chris était là aussi pour des clients, il devait aussi photographier le matériel pour ses clients. Ici, en l'occurrence, on voit une tente, un de ses clients, c'était le constructeur de cette tente-là. Donc on avait énormément de matériel à trimballer au sommet, donc on décide d'y aller en hélicoptère. On est droppé au sommet de Rose Peak en hélicoptère un soir, une ou deux heures avant le coucher de soleil. On avait vu que les conditions météo pour la nuit et pour le lever de soleil allaient être assez bonnes, c'est-à-dire pas de vent, pas de nuages, donc on pourrait potentiellement shooter des photos de voie lactée. Mais malheureusement, quand on arrive au coucher de soleil, les conditions sont pas ouf. On arrive plus ou moins une heure ou deux avant le coucher de soleil. Et comme vous pouvez le voir sur les photos que j'ai prises ici en behind the scenes, il fait assez nuageux, il y a une espèce de voile gris comme ça. Enfin bref, c'est pas très prometteur. On pense que le coucher de soleil va être un peu pas réussi. Et on essaye de faire des trucs, on parle, on se marre, on rigole entre potes quoi. Et puis soudainement là, qu'est-ce qui se passe? Juste une ou deux minutes avant que le soleil ne se couche, il y a une espèce d'explosion de couleurs dans le ciel. Le ciel passe du gris complètement random et boring à une explosion de rose dans tous les sens. Et là, je me souviens parfaitement, on est tous les 4 photographes là en train de péter un câble tellement qu'on comprend pas ce qui nous arrive. Les conditions sont parfaites et là on commence à courir dans tous les sens. D'ailleurs, il y a photo exclue, il y a un des assistants de Chris qui se fout à poil tellement qu'il est heureux de ces conditions. Vraiment, on est en extase, on était tellement euphorique qu'on comprenait pas ce qui se passait. C'était vraiment un des plus beaux couchers de soleil qu'on a tous
pu vivre dans notre vie, je pense. En tout cas, on fait le coucher de soleil, les photos sont absolument dingues, et puis on va dormir, on se lève pendant la nuit, on fait des photos de Voie lactée dans tous les sens, et puis le matin, lever de soleil, les conditions sont absolument incroyables. Justement, il venait de neiger 2 ou 3 jours avant, donc c'était l'automne à Wanaka, hein, c'était au mois d'avril, mais la neige n'était pas encore arrivée. Et là, chute de neige, là, complètement inattendue, qui rend encore tout le paysage beaucoup plus idyllique. Donc là, le lever de soleil, avec la neige au sommet des montagnes, à l'horizon, enfin bref, toutes les conditions sont parfaites, donc on se met tous à shooter dans tous les sens. Et là, bah, cette fameuse photo qui était en fait réalisée par Chris était pour un client bien particulier. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a été placer la tente au sommet de la petite montagne avec un petit modèle finalement qui simulait l'aventurier qui sortait de sa tente. Évidemment, en conditions réelles, ça ne s'est pas passé. On a vraiment campé, on a vraiment dormi en tente, mais une centaine de mètres un peu plus loin et en tout cas certainement pas vraiment exposé au vent et au vide de la sorte. Mais on est d'accord que esthétiquement, c'était l'endroit rêvé où aller placer une tente, un petit modèle et bam, prendre le cliché incroyable. Donc cette photo, chaque fois que je la revois, chaque fois que les gens me parlent de cette photo, elle me tient tellement à cœur, elle me rappelle tellement de souvenirs quoi. Tous mes 7 mois passés à Wanaka, Royce Peak, j'y suis monté 3 ou 4 fois si je me souviens bien. À chaque fois, c'était des conditions différentes. J'y ai campé 2 fois au sommet et voilà, je suis juste trop fan de cette photo parce que esthétiquement, elle est réussie. Ça me rappelle des bons souvenirs aussi, une bonne soirée que j'ai passée avec Chris et ses assistants et voilà, au final, c'était magique. Je vous ai mis les exifs, comme ça vous pouvez voir quelles étaient les conditions réelles de prise de vue de ces photos. Et alors la petite anecdote que je voulais vous partager, c'est que justement, complètement à mon insu, il s'avère que une des photos que Chris avait prise au fameux coucher de soleil là avec le ciel tout rose, cette photo sur laquelle c'est moi qui posais, c'est moi qui faisais le modèle, cette photo s'est retrouvée, ça m'a fait rire en vrai, comme image de promotion, espèce de fond d'écran de promotion des nouveaux MacBook d'Apple. C'était en 2016 si je me souviens bien, 2016 d'ailleurs, j'ai retrouvé photo de promotion, la photo de pub que Apple a utilisée avec cette photo prise à Royce Peak ce fameux soir et la personne qu'on voit dessus là au loin, c'est moi. Voilà comment je me suis retrouvé sur une pub Apple qui a fait le tour du monde dans tous les communiqués de presse. C'est cette photo là qu'on a utilisée et voilà, ça me rappelle encore plus de bons souvenirs. Du coup, on enchaîne avec la photo numéro 2. Du coup, la photo numéro 2, c'est celle-ci. C'est une photo, encore une fois, très emblématique. Non parce qu'elle est connue parmi toutes mes photos, mais parce qu'elle représente l'arbre The Wanaka Tree. That Wanaka Tree, d'ailleurs, c'était le hashtag. Il existe un vrai hashtag, hashtag That Wanaka Tree. C'est l'arbre le plus connu de Nouvelle-Zélande, sans hésitation. Peut-être un des arbres les plus connus au monde. Et j'avais la chance de vivre à 1 km seulement de cet arbre. Donc forcément, cet arbre, je l'ai shooté, mais dans tous les sens. À toutes les saisons, j'ai des centaines et des centaines de photos de cet arbre. Et pourtant, une des photos que je préfère, c'est celle-ci. Pourquoi? Honnêtement, difficile d'expliquer pourquoi. Parce que je suis tellement pas le genre de photographe qui aime prendre des photos en longue exposition. C'est un style qui ne me parle pas spécialement. J'aime pas cet effet silk de un peu soyeux comme ça sur l'eau, ni sur les nuages qui sont comme ça en mode limite évaporation, on voit qu'ils avancent. Bref, c'est pas un style qui me plaît. Alors je l'ai essayé forcément à mes débuts, j'ai essayé beaucoup de trucs, mais c'est pas un style qui me plaît. Et pourtant, cette photo-là, je me suis dit, je vais faire ça. Alors vraiment, pourquoi ce jour-là, je me suis dit, je vais mettre un filtre ND et je vais faire une longue expo? Est-ce que c'est parce que les conditions étaient tellement idylliques ce jour-là, et je vais vous expliquer les conditions que j'ai vécues. Quoi qu'il en soit, c'est la preuve qu'il ne faut pas se fier à ces règles. Il ne faut pas s'imposer des règles et rester collé, bloqué avec ces règles qu'on s'impose ad vitam aeternam. Les règles sont faites pour être cassées. Moi, je m'étais imposé comme un con cette règle de je ne ferai jamais de longue exposition. Et pourtant, un beau jour, bam, je me suis dit, allez, tiens, je vais tester une longue expo. Et j'adore cette photo et c'est une des photos que je vends le plus encore aujourd'hui. Donc, j'étais très heureux d'avoir pris un jour cette photo en longue exposition. Alors, les conditions de cette photo, c'est quoi? Pareil, on est toujours en automne. On est fin mai. On est vraiment à cette période là où on sait pas trop si c'est l'automne ou si l'hiver a déjà commencé, on est fin mai en Nouvelle-Zélande à Wanaka, l'arbre on voit déjà qu'il a perdu toutes ses feuilles, donc c'est vraiment la fin de l'automne. Et pareil, comme pour la première photo, quelques heures avant, il faisait plus ou moins nuageux, il faisait assez terne. Je me souviens que j'étais parti dans la montagne faire des photos dans la montagne en bagnole. Et en descendant de la montagne, je me demande même pas d'ailleurs si je pense que la piste de ski déjà de Wanaka était déjà ouverte. J'ai l'impression que je revenais du ski, je sais plus, je vais pas le jurer. Mais en tout cas, je redescendais de la montagne en bagnole. J'arrive, je passe donc par le village de Wanaka pour rentrer chez moi. Et là, il y a une golden hour de fou furieux qui débarque de nulle part. Le soleil était tellement puissant, mais à la fois
tellement diffusé grâce aux nuages qui restaient encore. Je sais pas, les conditions étaient vraiment parfaites quoi. Et donc je me suis dit, je me souviens parfaitement, je sors de ma bagnole, je fais le tour du lac, en tout cas autour de l'arbre, j'essaie de trouver l'endroit qui me semble le plus approprié et je prends cette photo où je mets mon trépied et je me dis, bah allez, je vais mettre mon trépied, mon appareil photo, je visse un filtre ND dessus et là, bam, je prends cette photo en longue exposition, je regarde les exifs de la photo, c'était combien ? 8 secondes, f9.5. ISO 50 quoi, voilà, et j'avais pris cette photo là avec un 50 mm fixe. C'est rare d'ailleurs quand je prends du paysage avec un 50 mm fixe, mais là pour le coup, ben, c'est ce que j'avais sous la main, je l'ai essayé, ça a marché, j'adore cette photo, et en vrai, ben voilà, les conditions étaient trop parfaites, et quand je revois cette photo, chaque fois que les gens m'achètent cette photo, ça me rappelle trop de bons souvenirs, donc ouais, c'est finalement la photo c'est beaucoup de chance quoi, la photo c'est beaucoup de chance parce que vous partez, et bon, j'ai toujours mon appareil photo dans la voiture ou avec moi, ça c'est certain. Mais vous partez le matin et vous vous dites pas que le soir vous allez rentrer avec ce shot, cette photo qui va pas changer votre vie, mais qui pourrait potentiellement en soi vous changer votre vie, hein, on n'en sait rien. Mais cette photo qui va rester dans votre portfolio des années et des années. Ça fait bientôt 6 ans, ouais, ça fait 6 ans que j'ai pris cette photo, celle sur Roispeak que je vous ai montré juste avant aussi, ça fait 6 ans. Et pourtant, cette photo ne vieillisse pas, elles font toujours partie de mes photos préférées. C'est une belle histoire, c'est une histoire que je voulais vous partager, c'est le simple fait de soyez attentif, soyez toujours prêt, ayez toujours votre appareil photo dans la bagnole au cas où les conditions lumineuses deviennent malades mentales comme ça d'un instant à l'autre. C'est l'histoire de cette photo. Et nous voici donc pour la numéro 3, la photo numéro 3 qui est toujours une photo forcément de Wanaka et qui plus est encore une fois une photo de Roispeak. Alors c'est un angle totalement différent de Roispeak, c'est d'ailleurs pour ça que je trouve cette photo très intéressante. Quand on est au sommet de la montagne de Roispeak, tout le monde pense forcément à la vue vers le lac de Wanaka, la vue que tout le monde connaît. Et pourtant, cette photo montre l'autre face de Roispeak, l'autre versant. Donc c'est la vue vers cette vallée, la vallée de Aspiring National Park, que l'on voit jamais en fait. Les gens qui montent au sommet de Roispeak, ils restent sur le versant. Donc imaginez comme ça, vous montez la montagne comme ça, hop, depuis le village. Vous restez ici au sommet avec la belle vue sur le lac que tout le monde connaît et personne ne pense à aller de ce côté-là. Personne ne pense à aller de ce côté-là, je sais pas pourquoi. Et pourtant ce côté-là offre des vues tout aussi malades. Alors certes, il n'y a pas la beauté du lac, l'eau, etc., etc. Mais on a le Mount Aspiring, qui est une des plus grandes montagnes de Nouvelle-Zélande, en tout cas la plus haute montagne aux alentours de Wanaka. Cette vallée comme ça, serpentine, bref, j'adore. Pourquoi est-ce que je me souviens si parfaitement de cette photo? C'est parce que c'était le lendemain de la Saint-Patrick. Donc la Saint-Patrick, c'est le 17 mars, donc cette photo a été prise le 18 mars. Et pourquoi je me souviens si bien de la Saint-Patrick 2015? C'est parce que à travers le monde et surtout les deux pôles et un peu plus, il y a eu un phénomène géomagnétique, en fait, il y a eu des aurores boréales et australes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissantes que d'habitude. C'est-à-dire, les aurores boréales, généralement, on les voit en Islande, en Norvège, le cercle arctique, quoi. Eh bien, figurez-vous que jusqu'en France, ce jour-là de la Saint-Patrick 2015, jusqu'en France, ils ont pu voir des aurores boréales ce jour-là. Alors certes, c'était une petite lueur au loin, mais on en a vu. Et du coup, en Nouvelle-Zélande, où on peut voir de temps en temps des aurores australes, mais pareil, d'habitude, quand il y en a, c'est toujours une petite lueur au loin, hein. Ça arrive assez régulièrement, mais c'est jamais très fort. Ce jour-là, la Saint-Patrick, c'était malade mental. On les voyait à l'œil nu, on voyait des faisceaux dans tous les sens. Bref, voilà, je vous montre 2-3 photos que j'ai prises à la Saint-Patrick le 17 mars 2020. 2015, je suis con. Et pourquoi je me souviens donc si bien de cette photo, c'est parce que le lendemain, il y avait toujours cette explosion d'aurore et avec des potes. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne vous ai plus vu, Quentin et Mariette, choose your path, j'espère que vous allez bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils étaient là, Quentin et Mariette étaient en Nouvelle-Zélande à Wanaka, et on s'est dit, on va aller shooter les aurores australes ensemble. On les a shootées mais la veille, le jour de la Saint-Patrick, et surtout, on s'est dit, on va monter le lendemain, on va monter au sommet de Roispeak pour pouvoir shooter les aurores australes depuis le sommet de Roispeak. Donc on est monté, et je me souviens qu'on a pris la décision vraiment à l'arrache en dernière minute. La rando, elle dure plus ou moins 3 heures pour monter au sommet de Roispeak, et moi, j'étais dans un feu, je pétais le feu ce soir-là. J'ai monté la montagne en moins de 2 heures parce que je voulais absolument, impérativement être au sommet
pour le coucher de soleil. Et donc, je traçais comme un malade mental. J'arrive au sommet en pleine golden hour. Bam, voilà, le résultat, c'est là. C'est la photo ici en question que je me régale. Je la regarde d'ailleurs sur mon iPhone pour pouvoir en profiter encore plus. Et là, oui, on arrive quoi? Une demi-heure avant le coucher de soleil. Golden hour de malade mental. On trouve, on cherche un spot pour aller mettre notre tente sur la montagne. Et pendant que Mariette était en train d'installer sa tente, bah, je sais pas, j'ai vu cette photo, j'ai vu ce cadre, j'ai vu ce contraste. Et j'insiste là-dessus parce que le contraste, c'est la clé en photo. Les contrastes, noir et blanc, évidemment, tout type de contrastes sont intéressants, mais les contrastes chaud-froid, comme on le voit sur cette photo, c'est personnellement un style de contraste que j'adore et qui marche bien en photo de paysage. Dans tous les types de photos, en vrai, hein, même en photo de portrait. Mais le contraste chaud-froid, bleu-jaune ici, oh, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est incroyable. La froideur de la vallée, comme ça, qui se réveillait comme ça après une journée un peu brumeuse et très froide, et la chaleur de la montagne qui absorbait tous les rayons du soleil en golden hour. C'était absolument magnifique. J'ai vu cette photo, bam, je l'ai cadré. Mariette, là, en petit bonhomme sur la montagne, j'adore toujours mettre des petits bonshommes comme ça sur les montagnes. Je trouve que ça donne vraiment une dimension encore plus grande et ça reflète vraiment l'immensité du paysage. Bref, j'ai pris cette photo. On a passé une journée, une soirée de dingue sur la montagne. Le soir, aurore australe était là. On a shooté des photos dans tous les sens. Et le lendemain matin, c'était absolument mémorable. On se réveille avec une couche de givre sur nos tentes. Il devait faire moins 2, moins 3 degrés la nuit. Bref, c'était un enfer. On s'est réveillé dans une brume. On était dans un blizzard total. On ne voyait pas à 5 mètres. D'ailleurs, je vous mets des photos parce que j'en ai aussi prises des photos behind the scenes de ce matin-là. Enfin bref, je suis tellement nostalgique de ces moments, je vous les partage tellement avec beaucoup de passion parce que ces photos de Wanaka, ça me rappelle des souvenirs incroyables. J'ai vécu parmi les 7 plus beaux mois de ma vie et je rêve d'y retourner, peut-être potentiellement un jour finir ma vie retraité à Wanaka, qui sait. Mais c'est un endroit que je vous recommande chaleureusement. Surtout si vous y allez, prenez le temps d'y rester plusieurs semaines. Ne faites pas juste un saut un jour ou deux parce qu'on vous a dit de passer à Wanaka. Cette région regorge de choses à voir, d'expériences à vivre, de randonnées à faire. Vous pourriez passer des mois et des mois et des mois. Moi, je vous ai dit, j'y ai vécu 7 mois. J'ai pas fait la moitié des choses qu'on peut faire là-bas. Bref, prenez le temps et appréciez le lifestyle de Wanaka. Le lifestyle de Wanaka, c'est quoi? C'est des gens qui vivent là, qui sont passionnés par l'outdoor, qui sont passionnés par l'aventure, par les sports extérieurs, qui font du kayak, qui font du paddle, qui font de la randonnée, de l'escalade, du ski. Bref, allez à Wanaka et vivez l'expérience Wanaka à fond la caisse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo que je lance, ce nouveau concept, cette nouvelle série. J'espère que ça vous a plus. Dites-moi d'ailleurs en commentaire le genre de photos, s'il y a des photos que vous connaissez, que j'ai prises et que vous voudriez que j'inclue dans cette nouvelle série, dites-le-moi en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir vos avis là-dessus et aussi vos avis sur cette nouvelle série. J'espère que ça vous plaît et que vous en avez appris pas mal de choses. On se retrouve pour la prochaine vidéo dans 2 semaines comme d'habitude. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner s'il vous plaît à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Un petit pouce bleu, c'est toujours le bienvenu aussi, et laissez un commentaire. J'adore ça, j'adore vous lire, j'adore voir vos retours, ça me va droit au cœur, ça me motive de ouf pour les prochaines vidéos. Merci et on se retrouve très vite. Ciao.